dans la vie des rencontres merveilleuses dont on rêve. Que si un jour je pouvais rencontrer telle et telle personne, si un jour mon chemin pouvait croiser le chemin de telle personne. Ce sont les rêves que nous avons. Nous avons des personnes que nous voudrions bien rencontrer. Si nous les rencontrons, en tout cas, nous allons tout faire pour que nous en gardions même le souvenir. Une pose, une signature. Nous allons quand même chercher à garder le souvenir de ces personnes merveilleuses que nous voulons rencontrer. C'est ça que j'appelle rencontre des rêves. Les lectures de ce jour nous parlent de trois personnes que nous serions très heureux de rencontrer sur cette terre des hommes. Il s'agit de Paul, la première lecture, de Marthe et de Marie. Si nous pouvions aussi rencontrer quelqu'un comme Paul, imaginez un peu vous rencontrer quelqu'un comme Paul sur cette terre des hommes. Parce que je sais que nous le rencontrerons si nous avons la grâce au ciel. Nous le rencontrerons au ciel. Marthe, nous la rencontrerons au ciel. Marie, nous la rencontrerons au ciel. Mais j'ai dit la grâce de les rencontrer sur la terre. Pas avant leur rencontre avec Jésus, mais les rencontrer après leur rencontre avec Jésus. Rencontrer ceux et celles qui ont rencontré le Christ. Paul, c'était comment? Que Paul un peu nous explique. Marthe, c'était comment quand tu servais le Seigneur? Marie, c'était comment quand tu étais assise au pied du Seigneur et que tu écoutais sa parole? C'était comment? Explique-nous un peu. Rencontre de rêve. Que je rencontre Paul, que je rencontre Marthe, que je rencontre Marie. Souhaitez ça à votre voisin. Dites-lui, il y a encore des Paul sur cette terre. Il y a encore des Marthe. Il y a encore des Marie. Puisses-tu les rencontrer? Puisses-tu les rencontrer? L'enseignement de ce jour n'a en ce sens qu'un but. Nous inviter à ressembler à ces personnes que nous rêvons de rencontrer. Ah, donc, chacun désire rencontrer un Paul, une Marthe, une Marie. Alors, Jésus nous dit aujourd'hui, non, soyez cette personne ou ces personnes que vous rêvez de rencontrer. Ne cherche pas seulement à rencontrer Paul, ne cherche pas seulement à rencontrer Marthe, ne cherche pas seulement à rencontrer Marie, sois toi-même Paul, Marthe et Marie. Dites maintenant à votre voisin, sois toi-même Paul. Il faut avoir rencontré préalablement le Christ pour devenir une rencontre de rêve pour tes frères et sœurs, il faut que toi-même tu aies d'abord préalablement rencontré le Christ. Ceux qui ont rencontré Jésus et ceux qui nous rencontrent doivent entonner ce chant inspiré du livre des Cantiques, 3, 1 à 5. Je l'ai rencontré, celui que j'aime. Je l'ai trouvé, celui que mon cœur désirait. Jamais plus je ne le lâcherai. Jamais plus je ne le lâcherai. Je l'ai rencontré. Que quelqu'un il vous rencontre. Voilà celui que mon cœur désirait. Quelqu'un qui te rencontre dit, mais tu étais où pendant tout ce temps? Mais il fallait que je te rencontre un peu avant. Dites à votre voisin, si je t'avais rencontré il y a longtemps, je serais saint. Hein, tu vois, tu hésites, hein? Pour certains voisins, là, tu hésites, tu dis non, ça. C'est du théâtre. Moi, en tout cas, beaucoup de gens me disent ça, hein, que s'ils m'avaient rencontré avant, hein, en tout cas, ils seraient bien. Beaucoup de gens, même si toi, tu ne dis pas, mais beaucoup de gens me disent ça. Ceux qui n'ont pas rencontré le Christ passent leur vie en essayant de le contrer. Si vous n'avez pas rencontré le Christ, vous allez passer votre vie en essayant de le contrer, de vous opposer à lui. Et nous avons dans les textes d'aujourd'hui un exemple type, c'est Paul.
Beaucoup de gens disent que pensent que Paul était un ex-voleur, un ex-bandit, un ex... Non, Paul était un saint, mais qui n'avait pas encore rencontré le Christ. Et le saint qui n'a pas encore rencontré le Christ, il est intolérant. Pour un rien, il vous tue. Vous dites seulement que Jésus-Christ est fils de Dieu, il vous tue. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour me tuer? Non, tu as dit que Jésus est fils de Dieu. Paul était un saint, mais qui n'avait pas encore rencontré le Christ. Mais il a fait plus de mal au christianisme que Marie-Madeleine. Et vous savez combien de gens dans l'entourage de Paul n'ont pas cru. Paul était un saint. Saül, hein? Saul, l'appelons-le comme ça, le premier là, ce Saul. Saul était un saint, mais qui n'avait pas encore rencontré le Christ. Il l'a dit lui-même. Il dit, dans la première lecture, il dit, vous avez certes entendu parler de ma conduite, jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'église de Dieu et des ravages que je lui causais et de mes progrès. Je faisais des progrès dans le judaïsme. J'étais donc un saint où je surpassais bien des compatriotes de mon âge en partisans acharnés des traditions de mes pères. Galates 1, 13 à 14. Nous sommes dans l'épître aux Galates. Je vous ai dit depuis hier, nous avons commencé à lire l'épître aux Galates. Donc Paul, c'était un adepte du judaïsme. Et le judaïsme, c'est la religion des 10 commandements. Donc il respectait les 10 commandements. Il ne volait pas, il ne tuait pas. Bon, après, il a commencé à tuer les chrétiens. Parce qu'il estimait que les chrétiens étaient des criminels, des idolâtres. Et pour cela, il fallait les exterminer. C'était un saint intolérant. Un saint meurtrier. Comme nous en avons. Amen. Il y a des gens. Regardez par exemple Jésus. Jésus est bon. N'est-ce pas? Jésus est saint. Mais sa sainteté ne les rend pas méchants. Mais beaucoup de gens, quand ils sont saints, ils deviennent en même temps méchants. Amen. Regarde le saint qui est à côté de toi là. Il est méchant. C'est ce qu'il dit. Il dit, circoncis dès le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, quant à la loi, un pharisien, quant au zèle, un persécuteur de l'église, quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable, quant à la justice. Paul était un saint de l'Ancien Testament qui est devenu saint du Nouveau Testament. Un saint sous la loi mosaïque qui est devenu saint sous la loi du Christ dans l'évangile. C'est ça le changement de Paul. Un saint intolérant qui est devenu un saint miséricordieux. Simplement ça. Donc Paul n'était pas un ancien voleur. Paul ne prenait pas les femmes d'autrui. Le péché de Paul, c'était seulement il persécutait l'église parce qu'il était convaincu d'être dans la vérité. Et à cause de sa conviction, il a tué ceux qui ne pensaient pas comme lui, ceux qui ne priaient pas comme lui. C'était ça le péché de Paul. Jésus déjà avait annoncé ça à ses disciples. Il leur avait dit, Jean 16, 2, vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. Il y a même des gens qui vont vous tuer pensant rendre un culte à Dieu. Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Paul a été témoin du martyre d'Étienne, Actes 7, 28. Il a prouvé ce meurtre, il était d'accord. On a déposé les vêtements à ses pieds. Quand ceux qui voulaient lapider Étienne ont déposé leurs vêtements aux pieds de Paul. Et Paul a reçu même des lettres. Il a reçu du grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait là des adeptes de la voie, donc des chrétiens, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Actes 9, 1 à 2.
Mais Paul, qui était un saint de l'Ancien Testament, va rencontrer le Christ. Quand il était saint de l'Ancien Testament, il contrait le Christ. Il contrait le Christ sans le savoir. Il s'opposait au Christ. Mais un jour, le Christ l'a rencontré. Il a rencontré le Christ sur la route de Damas. Il allait pour faire le mal. Il allait pour tuer les chrétiens. Et sur ce chemin, il a rencontré le Christ, qu'il a fait tomber de son cheval. Il a entendu une voix qui lui demandait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé: qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. On lui a donné des ordres: entre dans la ville, entre dans la ville. Et dans la ville, là, tu trouveras quelqu'un qui va t'aider. Il est entré aveugle. Ses yeux du passé ont été détruits. Il a acquis de nouveaux yeux. Il a acquis une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses. Que ce matin, quel que soit le cheval sur lequel tu es monté, que Dieu t'en fasse tomber. Que Dieu te fasse tomber du cheval sur lequel tu es monté. Parce que quand nous venons à la prière là, nous avons des chevaux qui nous amènent. Ça peut être les chevaux de la mer. Je viens pour voir ce qu'on va dire aujourd'hui à l'église. Les chevaux de renseignement. Je viens vous entendre. Ne viens pas pour Dieu. Les chevaux de l'amitié. Non, je dois aller à la messe aujourd'hui. Je vais rencontrer mon ami tel. Il y a plusieurs chevaux. Je viens ici pour quel tel me doit de l'argent. Il doit me payer mon argent aujourd'hui. Ce cheval-là peut t'amener à la prière. Que Dieu te fasse tomber de ce cheval. Et que tu sortes d'ici avec de nouveaux yeux. Un nouveau regard, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de voir le monde. Alors quand tu deviens comme ça, après avoir rencontré le Christ, tu deviens une personne rencontrable. Tu deviens une personne merveilleuse. Ceux qui te rencontrent après ta rencontre avec le Christ sont émerveillés. Tu deviens une rencontre des rêves. Amen. Et écoutez, dans le témoignage qu'il donne dans la première lecture, il insiste beaucoup sur le fait que lui, il a rencontré personnellement le Christ. Pas par personne interposée. Il dit, le Christ lui-même m'a enseigné. Écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est très important. Il dit, c'est pas quelqu'un qui m'a sensibilisé. C'est le Christ qui m'a conscientisé. C'est le Christ qui m'a appelé. C'est le Christ qui m'a... Et c'est de cette conviction que se dégage une foi authentique. Écoutez ce qu'il dit. Mais quand c'est lui, il a donné son passé, j'ai persécuté l'église, mais il dit, mais quand c'est lui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler. Je vous ai parlé même hier de la révélation. Quand vous êtes un chrétien, vous venez à l'église sans révélation, vous êtes malheureux. Dieu doit vous rencontrer. Dieu doit vous parler. Ne vous contentez pas de ce que votre ancien curé vous avait dit, de ce que moi, votre nouveau curé, je vous dis. Rencontrez Christ. Il est vivant. Il vous parle. Il dit, Dieu a révélé en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem, trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je m'en allais en Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, il dit, c'est pas Pierre qui m'a conscientisé. Il ne dit pas ça pas dans un sens d'orgueil. Il dit non. Moi, c'est le Christ lui-même qui m'a enseigné. Ça, c'est très important. Quand votre foi est encore liée à tel pasteur, à tel prêtre, vous êtes un enfant, un bébé spirituel. Vous devez arriver à un point où vous dites, moi, si je fais ceci, Jésus me l'a enseigné. Jésus m'a conscientisé sur ce point. Pourquoi tu ne viens plus à la messe en retard? Non. La Bible va fermer les portes. Bébé spirituel.
Jésus m'a enseigné qu'arriver en retard à la messe est une mauvaise chose. Il m'a enseigné ça. Sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem, trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je m'en allais en Arabie, puis je reviens encore à Damas. Ensuite, après 3 ans, j'ai monté à Jérusalem. Rendre visite à Pierre, à ses faces, et demeurer auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens point. Parce qu'il y a des gens qui en restent à ce niveau-là. Oh, c'est M. l'abbé Blaise qui m'a dit, c'est tel qui m'a dit. Non, il faut que tu sois capable de dire, j'ai rencontré le Christ. Je n'ai pas consulté la chair, je n'ai pas consulté le sang, mais Jésus m'a parlé. Et qu'est-ce qu'on disait? Les gens ont appris que c'est lui qui, les persécuteurs de Naguère, annonçaient maintenant la foi qu'alors ils voulaient détruire et glorifier Dieu à mon sujet. Galates 1, 15 à 24. L'insistance de Paul sur sa rencontre personnelle avec le Christ est très importante. Elle souligne le fait qu'il est très important de rencontrer une personne qui a rencontré personnellement le Christ. Quand dans l'église, on croise des hommes qui, au lieu de rencontrer Jésus personnellement, l'ont rencontré par procuration, on a sans cesse des problèmes. Ce sont des loups dans la bergerie, des échardes dans la chair, des chics dans les pieds de l'église. Et qui empêche l'avancée de l'église. Que chacun de nous donc soit Paul, le Paul qui a rencontré personnellement le Christ et qu'on souhaite rencontrer à cause de son beau témoignage. Que chacun ait la joie de s'appliquer ces textes. Ils seront tous enseignés de Dieu. J'ai été enseigné de Dieu. Jean 6, 45. Ils seront tous enseignés de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais comme ça? Dieu me l'a enseigné. Pourquoi tu donnes tes offrandes? Pourquoi tu arrives à temps à l'église? Pourquoi tu respectes les hommes de Dieu? Le Seigneur me l'a enseigné. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et écoutez ce que Paul dit. Non, c'est Jean. 1 Jean 2, 27. Jean dit ceci. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous êtes enseigné par Dieu lui-même. Dis à ton voisin, sois enseigné de Dieu. Sois enseigné par Dieu. Très important.